Hey, salut à tous les amis, c'est France31, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'ouverture de 3 petits boosters Yo-Kai Watch. Les decks avaient fait énormément plaisir sur la chaîne, j'ai pris un énorme plaisir aussi à les ouvrir. Du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai pris 3 boosters parce que j'ai en vérité plus de Pokémon à ouvrir pour l'instant. Du coup, pour ce samedi, là, 4 Jacquemin, hop, on va s'en ouvrir 3. Donc, pour une éventuelle galère de ma part, j'ai pré-découpé le carton parce que je trouve les boosters super jolis. Donc, je sais que ça existe aussi pour les Pokémon, mais pas en France, il me semble. En tout cas, je trouve super l'idée. Voilà. Voilà, donc notre petit booster, donc forcément il y a toujours de la colle. En même temps, vu le nombre de voleurs qu'il doit lui avoir, c'est peut-être normal. Donc une colle toute dégueulasse. Mais bon. Donc j'ai même pas fait voir le dos du petit paquet. Donc voilà, chaque joueur doit avoir un deck de 40 cartes Yo-Kai Watch et 2 médaillons Yo-Kai pour jouer. Chaque booster contient 6 cartes courantes, donc les communes, 3 cartes inhabituelles et une carte brillante. Donc bon, j'aimerais bien choper du coup Shugonian, donc celui qu'on voit sur le paquet juste là, parce que c'est un de mes préférés. Les boosters sont assez jolis, très fins par contre, comparé à Pokémon, ils sont très très fins. Et puis là, on a toujours un petit... Je sais pas si vous allez bien voir la caméra, donc c'est un peu le même truc qu'il y a marqué juste là. Donc je sais pas s'il faut faire le 1, 2, 3, 1, 2, ou... Je ne sais quoi, ou s'il y a un truc spécial à faire, je me suis pas vraiment renseigné. Donc voilà, donc j'espère choper Shugonian. Après les niveaux de rareté, de toute façon j'ai chopé une carte super rare et finalement je le saurais pas. Puis bon du coup on va commencer avec Scarnage. Donc je vais faire un petit. Voilà. Kapakumki. Donc lui c'est un rare dans le jeu. Wakapoera. Viperal. Komasan. Substitioni, c'est bégayé. Viperal en du coup reverse. Grand Papetti et Grand Par. Ah non, et pas Grand Par. Et Draco. Drago. Très joli. Donc je crois que c'est un rare aussi dans le jeu. Donc je sais pas si ça a une petite importance. Donc les rares dans le jeu et. Du coup, par contre, je voulais regarder Viperal. Non, c'est pas du tout le même Yo-Kai. Donc, c'est le même Yo-Kai, mais pas la même image. Bon, les cartes, comme j'avais dit pour la dernière fois, sont très jolies, très simples. Ça représente bien le Yo-Kai. Bon, écoutez. Je préfère Pokémon, mais Yo-Kai Watch est une très belle collection de cartes aussi. Donc, on n'a pas de code, on n'a rien. Puis bon, on va enchaîner du coup avec le deuxième petit paquet. Hop. La colle dégueulasse. Hop. Alors il me semble qu'on avait eu, j'ai testé un truc pour avoir la brillante enfin. Hop. Donc 1, 2, 3. On va faire ça comme ça, on va le tenter. Du coup on commence avec le petit Picor. Urnaconda. Chauve-coucou. Fréros. Donc un de mes Yo-Kai dans Yo-Kai Watch 1. Chauve qui peut. Loup barbare. Castellus 3. Grand Papetti. Pas de réseau. Et QB. Très jolie carte et très beau Yo-Kai. Donc il y a aussi Octogon mais je sais pas s'il est dans la série. Parce que bon, donc, dans mon équipe j'avais donc QB, j'ai Octogombre. J'ai qui d'autre Shugunian. J'ai pas mal de Yo-Kai donc j'espère en choper un maximum dans les cartes parce que je trouve ça l'idée est plutôt jolie. Bon on n'a pas les Yo-Kai de Esprit Farceur et de Fantôme Bushi. Mais bon. Hop. Donc c'est bien ce que j'avais fait, les 3 dernières devant. Donc ça semble c'est peut-être parce que ça met les 3. Comment qu'ils disent sur le paquet, ils disent. Les 3 inhabituels. Bon. Hop. Du coup, 1, 2, 3. Du coup, on commence avec Machu.
Morbobec, donc ils sont un peu de la même famille les deux. J'allais dire on a Shugunyan, mais c'est... Le cas, il ne peut pas s'endormir pendant... Ok. Donc Shugunyan. Encore une fois, notre petit Picor. Duramastar. En Castilus 3 qu'on a déjà eu. Alors, B3NK1. Picor, encore une fois. Donc, c'est exactement la même carte, donc répartition des cartes, bravo quand même. Bon, c'est pas très grave. Bastata. Et Tutuin en brillante. Mon Kaioka est assez rigolo. Bon, ben voilà. Donc, je suis quand même assez content d'avoir chopé QB. Une très belle série, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires. Puis je pense que de toute façon j'en rouvrirai parce que c'est une très belle série de cartes. Donc soit hors caméra, soit en caméra, je verrai. Sur ce, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager la vidéo. Et surtout, abonne-toi. Allez, salut !